Yahoo Buddy Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je suis désolée, j'ai un petit doute sur le focus parce que le petit rectangle qui se met autour du visage est bizarrement mis. Mais donc on va ouvrir un colis des éditions Naban. J'ai commandé tout simplement leur dernière nouveauté. Sachant qu'en fait les deux premiers tomes sont sortis en simultané. J'ai acheté que le tome 1 parce qu'en fait on avait un shikishi si on achetait sur le site. Et on avait un shikishi aussi si on achetait le manga en boutique. Donc j'ai scindé les trucs en deux histoire d'essayer d'avoir l'autre, le shikishi de boutique. Voilà. Le colis a été très rapide à envoyer, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai fait en mondial relais. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Si l'extrait, forcément, si j'achète le bouquin, c'est que l'extrait m'a convaincu. J'en ai pas parlé en vidéo ni sur Instagram de l'extrait. Si l'extrait sur Instagram, j'ai partagé mon avis, mais c'est tout. Donc voilà comment c'est présenté. T'achètes le manga et le shikishi. Ah, il y a aussi un marque-page. Alors, on a, c'est le manga Mazarian. Je sais pas du tout comment faut le prononcer. Je suis désolée. Voilà, c'est alors Kendoka tombé dans la spirale de la violence. Toshiro Kiya est un lycéen au quotidien mouvementé, collégienne fréru de sciences, Momoko Nonomiya est une jeune fille au comportement différent des autres élèves de son âge, menant à une existence que tout oppose, nul n'aurait imaginé qu'ils se rencontreraient un jour et qu'ils verraient confrontés à un phénomène qui a changé à jamais leur vie. La fusion entre un lycéen et un chat, le début d'une histoire complètement folle. Voilà. Donc en fait, c'est un lycéen qui va se retrouver devant une spirale et va tout simplement se retrouver à fusionner avec un chat. Donc c'est ce garçon-là. Voilà. Tu vois, là, il y a un oiseau, enfin un corbeau appareil photo. Donc, il a fusionné avec un appareil photo. Et donc, pour X raisons, je te laisserai le découvrir. Il se retrouve tout nu. Il va voir le chat, du coup, de la jeune fille. Et voilà. Donc, il n'est pas vraiment tout nu. Il a un calbute, mais quand même. Donc là je montre vite fait un peu la fusion, de toute façon ça fait partie de l'extrait donc je ne montre pas grand chose de spécial. La jeune fille est aussi happée. Et donc le garçon se retrouve à être comme ça. Voilà. Donc je trouvais que l'histoire avait l'air complètement barrée, elle est en 3 tomes seulement donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Les deux premiers tomes sont sortis en simultané et si je dis pas de bêtises sinon ça va être écrit ici, le tome 3 sort à la fin du mois de juillet je crois, donc enfin une série très rapidement terminée de toute façon même en France, donc ça m'a donné envie et il est au prix de 8 €, donc ça reste correct au niveau du prix du manga. Ensuite du coup le petit shikishi spécial Naban Edition, donc si tu commandes sur le site, c'est une autre illustration du coup si tu achètes en boutique. Il y a à l'intérieur donc juste la facture et le marque-page. Qui est le manga Bienvenue au Café des Chats que je dois te présenter depuis une éternité mais que j'ai jamais fait pour pas mal de raisons annexes. Mais je vais le présenter du coup sûrement en début de rentrée septembre. C'est là franchement tout ce qui va être présentation de manga, tu n'en auras pas du tout dans l'été. À part un ou deux exceptions parce que par exemple là il y a My Happy Marriage qui... l'animé va sortir je crois le 14 juillet ou un truc comme ça. Donc je vais faire une présentation. Il y a l'animé par exemple Le Pavillon des Hommes. Comme j'ai présenté déjà les 4 premiers tomes en manga il y a quelques années de ça parce que c'était lors du premier confinement. Je vais en parler, mais sinon dans l'été même, il n'y aura pas de présentation manga, ce sera que du contenu à côté. Par exemple, ma mangatech, des piles à lire, enfin des trucs comme ça, tu vois, des vidéos annexes, mais pas de présentation de manga pendant l'été. Donc voilà, donc ça sera du coup pour la rentrée. Et donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, n'hésite pas à me dire quel est le titre des éditions de Naban qui t'intéresse le plus ou tu voudrais mon avis dans ceux que j'ai présentés en extrait. Je te mets le lien de la vidéo ici ou dans la barre d'infos. Et voilà, donc précédente vidéo Naban, playlist,
Tête de Panda, réseaux sociaux, compte Vinted. Plus d'informations dans la barre d'infos, le lien du site Naban, des réseaux sociaux Naban, etc. etc. dans la barre d'infos. Sur ce, à bientôt!